Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil de ville de Témiscouata-sur-le-Lac du lundi 6 février. Donc aujourd'hui, on a des invités avec nous. On aura des remises de bourses à faire un petit peu plus tard. Donc on débute notre rencontre d'abord avec l'ouverture de la réunion qui a été proposée, adoptée à l'unanimité selon l'ordre du jour qui a été présenté intégralement. L'ordre du jour qu'on peut retrouver sur nos réseaux, je pense. Sur le site? Sur le site Internet de la Ville, ceux qui sont intéressés d'aller le consulter. Donc, l'ordre du jour est là. Donc, on a également pour l'adoption du procès-verbal de la rencontre du 9 janvier qui avait été animée par le promaire en mon absence le 9 janvier dernier, donc qui a été proposé et adopté à l'unanimité. Donc, comme on le fait à chaque séance, point d'information des conseillers. Après ça, j'aurai quelques points d'information à vous transmettre, dont une remise de bourse là, pour les jeunes qui reviennent s'installer chez nous à Témiscouata-sur-le-Lac. Donc, on fera ça dans quelques instants. On va commencer par Mayanne qui a des petits messages à nous faire. Donc, deux messages en lien principalement avec le plein air. Sentier de ski de fond et de raquettes. Au départ de la marina du quartier Notre-Dame-du-Lac, on a 9 km de sentier qui est disponible. Cette année, les cartes de membres ne sont pas obligatoires. C'est donc de dire que l'accès au sentier est gratuit. Par contre, il y a des boîtes de perception volontaires qui sont disponibles au début du sentier à la marina, chez Birion et à la station-service Michaud. Donc, vous pouvez tout de même encourager là, les gens qui entretiennent les sentiers. Si vous voulez avoir de l'information sur si des fois il y a des messages spéciaux ou sur l'entretien des sentiers, il y a une page Facebook, Club Sentier du Lac. Donc, vous pourrez trouver l'information. Sinon, on a le centre plein air familial de Cabaneau, qui est communément appelé le Mont-Pitre, qui est ouvert aussi. Donc, les pentes, ski de fond, pente école pour le ski alpin, raquettes, glissade sur tube, même chose. Vous pouvez avoir les différentes informations sur la page Facebook du centre plein air familial Cabaneau. Donc, voilà. Merci, Mayanne. Je cède la parole à Rémi. Oui, bien, bonsoir tout le monde. Moi, j'ai une bonne nouvelle pour les jeunes du quartier Notre-Dame-du-Lac. L'ouverture officielle du nouveau local de la Maison des jeunes aura lieu le vendredi le 24 février prochain à 16h, qui est situé au 2399 rue Commerciale Sud. Et le samedi le 25 février, il y aura une porte ouverte pour tout le monde qui désire voir les lieux de 13h à 17h. Je veux souligner que ce projet a été réalisé avec une aide financière de 10 500 $ reçue du Fonds local de développement de la MRC de Témiscouata. Et pour l'année 2022-2023, ce 10 500 $ est encore accessible pour tous les organismes à but non lucratif qui ont un projet. Donc, je vous invite fortement à faire votre demande auprès de notre MRC. Juste une petite précision, Rémi. C'est un enveloppe de 10 500 qui peut être aussi partagé à quelques organismes. Donc, dans le cas qui nous intéresse là, pour la Maison des jeunes, ça a été le montant total pour la Maison des jeunes, mais il peut y avoir plusieurs petits projets là, de quelques milliers de dollars. Donc, ça peut y avoir un partage de cette enveloppe-là. Ce n'est pas un projet uniquement de 10 500 $. Puis, on vous invite à nous faire la demande ici aussi à la Ville, parce que c'est nous autres qui gèrent, qui suggèrent des projets à la MRC, mais la MRC, après ça, nous décaisse les sommes d'argent. Fait que juste une petite précision par rapport à ça. On poursuit avec Pascal. Bien, bonsoir tout le monde. C'est agréable d'avoir du vrai monde en salle. Moi, je voulais juste faire un petit retour. Dans le fond, on avait commencé une politique des communications. Ça avance bon train. Puis, le comité des nouveaux arrivants s'est réuni la semaine dernière. On va mettre en place une politique des nouveaux arrivants puis différents outils pour favoriser un meilleur accueil aux gens qui choisissent Témiscouata-sur-le-Lac. Je vais vous tenir au courant de ça. Merci beaucoup. Donc, ce soir aussi, pour les gens qui auront une bourse, on aura un petit cadeau là, à vous faire là, comme nouvel arrivant ou comme ancien qui reviennent. Il y en a quelques-uns qui ont quitté, qui nous reviennent. Donc, on aura un petit quelque chose pour vous. Je cède la parole pour terminer à Ginette. Bonjour. Donc, pour moi, d'une part, je voudrais souligner, en guise de mémoire, le décès de deux personnes durant les dernières semaines qui ont œuvré et qui ont eu une importance considérable pour la communauté. Je voudrais vous mentionner M. Philippe Lant,
qui a œuvré sur beaucoup de plans au niveau communautaire dans notre ville. Aussi, Mme Madeleine Beaulieu-Clich. C'est Mme Clich, c'est la femme du notaire Clich, et qui, elle, aussi a fait beaucoup de contributions et de générosité pour les communautés, notre communauté. Ensuite, sur une note un peu plus gaie, j'aimerais vous inviter, si le cœur vous en dit, à participer à deux belles soirées qui s'annoncent à Témiscouata-sur-le-Lac, à la salle Témiscouata, le 17 février. C'est une activité musicale qui va réunir mon oncle Serge et Noblesse. Et l'activité sert essentiellement à recueillir des fonds pour la prévention du suicide. Donc, c'est une belle activité musicale à 7h30 à la salle, 19h30 pour être plus française, à la salle Témiscouata. Le lendemain, le 18 février, une autre belle activité musicale qui, on vous invite à la salle Témiscouata aussi. À 19h cette fois-ci, c'est pour aller encourager notre duchesse des pompiers, Mme Mélissa Moreau, qui va faire une soirée dansante. Donc, vous êtes tous invités à venir partager en communauté, puis en même temps, peut-être faire des nouveaux amis. Bienvenue. Merci, Ginette. Donc, on poursuit avec les points d'information du maire. Je vais débuter avec les bourses remises aux jeunes dans le cadre de la place aux jeunes en région. Donc, c'est important de spécifier un peu le partenariat qu'on a avec Carrefour Jeunesse Emploi de Témiscouata. Évidemment, pour notre municipalité, on soutient financièrement l'organisme dans la mise en place de différentes activités, que ce soit là, des rencontres de groupe où ce qu'on invite des gens d'extérieur ou ce qu'on leur fait connaître notre région. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà participé à ces activités-là, ont fait de l'intégration et tout ça, du soutien individuel à distance, etc. Donc, à chaque année, on a un topo. Et comme on vient de terminer une année, là, il y a un topo qui nous a été présenté. Donc, on parle de quand même pour au Témiscouata, on parle de 34 migrations de réussies au cours de la dernière année. Donc, 28 personnes qui sont non originaires de la MRC du Témiscouata qui sont venues s'y réinstaller, 3 personnes qui sont immigrantes et 3 personnes qui étaient déjà originaires de la région, mais qui sont revenus s'installer chez nous. Donc, évidemment, pour nos communautés, c'est, vous allez le voir tout à l'heure dans la présentation, c'est des gens, évidemment, qui peuvent avoir des diplômes particuliers, mais aussi on a des jeunes qui viennent faire du travail là, de service, qui n'ont pas une formation particulière. Donc, c'est pas... Aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup de decks d'études professionnelles, mais tu sais, c'est des jeunes qui viennent retravailler en région. Il n'y a pas nécessairement de diplôme, là, je veux le dire, parce qu'à soir, on a une cohorte de diplômés, mais c'est pas une exigence dans le programme, là, mais dire si je me trompe, tu me fais signe, mais je vois que me fais signe que oui, je suis correct. Donc, c'est important de le mentionner parce que, oui, évidemment, les gens qui ont des diplômes, qui viennent travailler comme enseignants, comme éducatrices, comme éducateurs, c'est très important pour notre communauté, mais des gens qui veulent simplement travailler et s'investir dans notre communauté, c'est tout aussi important. Donc, tantôt, je vous parlais de séjours exploratoires. Donc, il y a des séjours exploratoires où ce qu'on va inviter des gens à venir connaître notre région, faire une tournée du Témiscouata. Donc, très intéressant. Donc, un très, très beau partenariat. Pour notre ville, au cours de 2021-2022, on parle quand même au niveau là, des gens qui sont arrivés. Il y a 57% des jeunes qui sont revenus s'installer au Témiscouata, qui l'ont fait à Témiscouata-sur-le-Lac. Donc, pour notre municipalité, notre ville, c'est très, très important. On le fait quelques fois par année. On l'a fait il y a un mois ou deux avant Noël, je pense. Donc, c'est un événement qui est très important. On invite les gens à venir en séance du conseil, justement, connaître les élus, prendre connaissance un peu de la vie municipale. Donc, c'est un moyen pour nous de vous saluer, de vous présenter. Donc, à ce jour, on parle de 1132 bourses qui ont été offertes pour une somme totale de 446 475 $. Donc, tout près de demi-million de dollars qui ont été remis dans le cadre de ces différents projets-là. Donc, c'est très, très bon. Avec un taux de rétention de tout près de 91%, on ne peut pas être plus précis, là, des gens donc, qui reçoivent un premier versement et qui sont toujours à l'emploi un an après. Bien, moi, je dis toujours, quand on peut bénéficier d'un an d'une personne qui vient s'installer, bien, si on a réussi à la conquérir, elle va rester chez nous 2 ans, puis 3 ans, puis probablement plus longtemps. Et surtout, quand ils font des petits-enfants, qui naissent chez nous, c'est toujours intéressant de développer une famille. Donc, on est très, très heureux de ça. Puis, le taux de rétention après 5 ans, ce qui est
est encore aussi très intéressant, tout près de 60, tout près de 80 %, 79 %. Donc, ce qui veut dire que les gens qui viennent chez nous, ben, j'imagine qu'ils trouvent la joie de vivre puis qu'ils s'installent parce qu'après 5 ans, là, il peut y avoir d'autres projets dans la vie qui nous amènent ailleurs, mais après 5 ans, on est très heureux de vous compter encore parmi nous. Donc, ce soir, la façon qu'on va procéder, je vais me déplacer là-bas, tout près du micro. On va faire avec Mme Audrey Lafrance, qui est membre du conseil d'administration de Carrefour Jeunesse, qui va venir. Je vais l'inviter à venir, Audrey, à l'avant. Donc, on va remettre les bourses. Donc, c'est une première bourse pour l'ensemble des participants aujourd'hui, ou il y a des gens qui viennent chercher une deuxième bourse? C'est toutes des premières bourses? Je pense que c'est toutes des premières. C'est toutes des premières bourses. Donc, la deuxième bourse est versée après un an d'intégration de maintenue. Ça fait un an, exactement. Maintenue chez nous, qu'on a une deuxième bourse. Donc, je vais inviter aussi le promaire, M. André Brault, à venir. On a une petite pochette d'accueil à vous remettre, différentes petites surprises là-dedans. Donc, je me déplace pour aller faire la présentation. Je vais faire le porteur de micro officiel. Toi, il va faire les présentations. Moi, je donne les cadeaux. Actuellement, c'est le maire qui donne les cadeaux. J'ai un bel job. Donc, il faut parler dans le micro. Fait que je te passe le micro, Audrey, puis tu y vas avec tes présentations. Parfait. Donc, bonsoir. Merci d'être là. Ce soir, on a 7 boursiers. Vous avez entendu, c'est la première, le premier chèque qu'on remet. Donc, je vais commencer par Mehdi. Mehdi qui est au Carrefour avec nous. Donc, on a un petit texte de présentation. Donc, originaire de l'Algérie, Mehdi Amir Yessad a quitté la région de Rimouski pour venir s'établir à Témiscouata-sur-le-Lac afin d'occuper le poste de directeur adjoint au Carrefour Jeunesse Emploi de Témiscouata. Titulaire d'un bac en sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal, il est aussi l'ambassadeur de l'initiative Jeunesse de la diversité culturelle en région. Donc, je t'inviterai à venir chercher ta bourse, Mehdi. Je ne me trompe pas, il a trouvé la bourse aussi. Oui, exactement. Félicitations. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci. Merci. Félicitations. Très gentil. Mehdi qui travaille à Carrefour Jeunesse, qui est actuellement là avec nous pour remettre les bourses. Là, ce soir, c'est Mehdi. C'est André, c'est correct. On va voir tout le monde. Voilà, merci. Merci à vous. Deuxième candidat. Oui. Donc, c'est un. Plutôt, excusez. Ça va être un couple. Donc, nos deux prochains boursiers, dans un premier temps, il s'agit de Stéphanie Thibault. Elle possède un bac en enseignement d'éducation physique et à la santé de l'Université de Sherbrooke et occupe un poste d'enseignante au centre de services du Fleuve et des Lacs. Et il y a Simon Pelletier qui est titulaire d'un diplôme d'études professionnelles en plomberie et travaille pour la plomberie Dorila Lavoie de Saint-Louis-du-Haha. Ils ont quitté la municipalité de Saint-Anaclet-de-l'Essard dans la région de Rimouski pour venir s'établir à Témiscouata-sur-le-Lac et y élever leur belle famille. Donc, on vous invitera à venir chercher votre bourse. Merci. Bienvenue chez nous. Merci. Yes. Bienvenue chez Merci. Nous. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Photo officielle. Voilà. Ouais. Merci. 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 Prochaine. Donc, la quatrième, qui est aussi ma gardienne pour ce soir, originaire de Saint-Eusèbe, Odélie Lafrance a quitté Sherbrooke avec en poche un baccalauréat en adaptation scolaire et sociale pour revenir dans son Témiscouata natal. Nous lui remettons ce soir le premier versement de la bourse de bienvenue car elle occupe un poste d'organisatrice intervenante pour le Centre des femmes de Témiscouata depuis maintenant plus de 3 mois. Merci. 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 Merci.
Notre prochaine récipiendaire, c'est Noémie Turcotte. Elle possède un bac, un DEC en technique d'éducation à l'enfance du cégep de Rivière-du-Loup et un bac en enseignement au primaire et au préscolaire de l'Université du Québec à Rimouski. Elle est de retour dans la région et occupe un poste d'enseignante pour le Centre de services scolaires du fleuve et des lacs. Tu peux venir juste à vous, Noémie. Mais ça, t'avoir comme éducatrice, mais t'as décidé de faire ton bac. Notre avant-dernière, après avoir complété un bac en sciences comptables ainsi qu'un diplôme d'études supérieures spécialisées en sciences comptables à l'Université du Québec à Rimouski, Myriam Beaulieu est de retour dans la MRC. Elle reçoit ce soir la bourse de bienvenue car elle occupe depuis octobre 2022 un poste de stagiaire en certification chez Raymond Chabot Grant Thornton. Merci beaucoup. Et une dernière. Quelques finales, si je ne me trompe pas. Je vais chercher. Donc, notre dernier lauréat de la soirée est conseiller en finances personnelles pour la Caisse des Jardins du Témiscouata depuis juillet. Titulaire d'un bac en administration des affaires, concentration, gestion des risques et assurance de l'Université Laval, Marc-Olivier Thériault a choisi Témiscouata-sur-le-Lac, sa ville natale, pour la poursuite de sa carrière. Merci. Merci. Voilà, c'est beau. C'est merci. 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 Bienvenue, bon retour ceux qui reviennent. Bienvenue. Merci d'avoir fait le choix de Témiscouata sur le lac. Très heureux de vous avoir parmi nous, en espérant que vous y trouviez le bonheur et que vous restiez avec nous autres le plus longtemps possible. Merci. On poursuit dans les informations du maire. Deuxième point que je veux souligner, je crois qu'on n'est pas loin, si ce n'est pas la semaine, on est présentement là, dans la période prévention du suicide. Puis on sait qu'au niveau national, il y a la Journée nationale de la santé mentale aussi qui a été nommé le 13 mars. Donc, je voulais souligner ça. Inviter les gens, la santé mentale, c'est quelque chose qu'on est de plus en plus sensibilisé. Aujourd'hui, je pense que la pandémie a aidé à justement travailler les gens qui ont des difficultés au niveau de la santé mentale, la solitude, l'anxiété et tout ça. Donc, très important de souligner cette journée nationale-là du 13 mars. On est un peu à l'avance. Ma prochaine séance du conseil était trop près, donc on voulait le souligner. Moi, je profiterai de cette occasion là pour inviter les gens à être attentifs à nos proches. Des fois, particulièrement les hommes, je vais pas faire un commentaire sexiste, mais les hommes, on a souvent de fois, on intègre nos difficultés, on n'en parle pas. Donc, des fois, de tendre des perches puis d'aller un petit peu plus loin, ça peut être quelque chose de très positif. Donc, j'invite les gens à être attentifs aux besoins puis avec vos proches puis de prendre soin de l'un de l'autre. Je veux aussi annoncer aujourd'hui que il y a quelques mois, on avait annoncé un nouveau programme à Témiscouata sur le lac qu'on avait eu. On avait mis en place un programme pour l'aide à la création de nouveaux logements. Donc, notre projet a été présenté au MAMASH, donc a été adopté ou accepté sans aucune changement, modification. Donc, on est très heureux de tout ça. On est une des premières municipalités au Québec qui a mis en place un programme d'aide au logement. Donc,
Donc, des promoteurs qui seraient intéressés par la mise en place de logements, évidemment, il y a des conditions. Donc, je vous invite à téléphoner à la ville, prendre des renseignements par rapport à ça. Et j'invite aussi, parfois, peut-être des jeunes familles, des jeunes qui s'installent, une nouvelle maison, pour avoir un logement au sous-sol, disponibiliser des logements ou des gens, des fois, personnes un peu plus âgées, les enfants sont partis, pour avoir un sous-sol de disponible. Il y a aussi une possibilité d'avoir des subventions. Là, on dit des crédits de taxes, mais ce n'est pas vraiment des crédits de taxes, il ne faut pas dire ça, là, mais c'est de l'aide là, qui peut vous être octroyée pour le développement d'un nouveau logement à prix abordable. Donc, si les gens sont intéressés, là, le projet est adopté, est en place, on peut déjà commencer à donner des subventions par rapport à ça. Donc, je vous invite à en prendre connaissance là, pour les gens qui pourraient avoir des projets en tête. OK. On va mettre le règlement sur le site Internet qui pourrait être consulté pour les gens parfait. Qui ont intérêt. Très bonne idée. Super. L'autre élément que je veux aborder avec vous, la sécurité civile. Donc, au cours des derniers jours, bon, avec les tempêtes, on a eu des annulations, mais autant les élus, les maires que nos pompiers, nos gens de la municipalité, aussi au niveau de l'administration, on va avoir des formations au niveau de la sécurité civile. Et on va avoir un plan de sécurité civile à mettre en place. Moi, j'ai assisté à une formation en fin de semaine. Puis on a eu une grosse tempête de vent le 23 décembre, ceux qui étaient dans le coin, là, on a eu quand même des grandes pannes d'électricité. Puis il faut savoir que des événements météorologiques, on en annonce de plus en plus qui pourraient occasionner des fois là, des situations où on a à intervenir, où on peut manquer d'électricité, des inondations, etc. Donc j'invite, sans faire évidemment de peur à personne, mais s'assurer chez nous, dans nos maisons, qu'on est capable d'avoir de la nourriture suffisante pour quelques jours. Donc on parle de quand on va en formation d'un 72 heures, donc d'avoir de l'eau potable pour 72 heures, les gens avoir une génératrice si on pense manquer d'électricité. Donc, c'est des éléments qu'on demande de manifester, d'informer nos citoyens par rapport à ça. Donc, je vous invite à tous et chacun à prendre en considération là, des situations d'urgence où ce qu'on peut avoir, panne d'électricité, des inondations, etc. Donc, d'avoir de la nourriture pour subvenir à vos besoins pour quelques jours. Puis, au cours des prochaines semaines, la ville, on va mettre en place là, différentes démarches là, pour mettre en place de façon un peu plus structurée notre plan en mesure d'urgence. On en a une, on en a un évidemment, mais on a des choses, centre d'accueil, etc., à mettre en place, déployer. Donc, on va être en action au cours des prochaines semaines par rapport à ça. Un petit mot sur le compte de taxes. Bien, évidemment, on avait fait avant le temps des fêtes la présentation des budgets. On sait qu'on a une année un peu plus difficile cette année. Des hausses de taxes de 4,8, mais pour certains, dans le secteur rural, des augmentations qui peuvent être plus importantes un petit peu. Donc, vous avez reçu votre compte de taxes dernièrement. Évidemment, on a eu quelques résidents qui nous ont fait part là, de certaines interrogations. On y répond, Marlène répond au niveau de l'administration. Donc, s'il y a des gens qui ont des questionnements par rapport à leur nouveau compte de taxes, vous pouvez téléphoner à la ville, on va faire le suivi avec vous. J'en profite aussi pour mentionner dans le compte de taxes, de façon, je dirais, exceptionnelle. Habituellement, on envoie uniquement le compte de taxes. Cette année, on a mis un petit feuillet pour le dossier de la moule zébrée qui a été distribué à l'ensemble des municipalités du Témiscouata. Donc, pourquoi? Parce que présentement, on a dépisté de la moule zébrée à l'intérieur du lac. On sait que cette espèce de moule-là est très envahissante, donc peut avoir des impacts sur notre lac. Puis on veut éviter d'en avoir le plus possible sur l'ensemble des lacs du Témiscouata. Donc, on vous a envoyé une lettre de sensibilisation dans le compte de taxes. Donc, important d'en prendre connaissance. Puis au cours des prochaines semaines, on aura des actions qui seront mises en place là, pour essayer là, de diminuer au maximum la propagation de la moule zébrée dans l'ensemble de nos lacs au Témiscouata. On aura plusieurs actions à mettre en place là-dessus. Plan de communication, on va vous tenir informé là-dessus. Autre élément important, cette année, il y a des particularités au niveau des chutes de neige. On en discutait tout à l'heure au conseil. On a eu des chutes de neige où il n'y avait pas beaucoup de vent, ce qui fait que la neige s'est accumulée en épaisseur sans nécessairement être poudrée. Donc, j'invite les gens à porter une attention particulière à leur cheminée. Malheureusement, on a eu un décès dans notre municipalité au cours des dernières semaines parce qu'on avait une cheminée d'obstruée par la neige.
Donc, parce que justement, il n'y a pas eu de poudrerie, ce qui a fait en sorte qu'évidemment, bien, en chauffant, le monoxyde de carbone est resté à l'intérieur de la maison et on a eu une intoxication mortelle au monoxyde de carbone. Donc, très important de vérifier les cheminées. Je dirais particulièrement les gens qui ont des cheminées carrées en briques, donc qui amènent une accumulation de neige en bordure avec un chapeau. Donc, ça peut coincer complètement la cheminée. Donc, faire vérifier ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font libérer leur toiture, mais les cheminées, c'est très, très important. Et évidemment, bon, on ne le dira jamais assez souvent, mais un bon détecteur de fumée avec une batterie bien chargée, c'est toujours important. Ça sauve des vies. Dans le cas que je vous parle, malheureusement, on a un décès. Donc, je voulais vraiment vous remettre quelques règles de sécurité là, aujourd'hui. Dernier point, le pont de glace. On a fait les quotidiens, la presse, la presse de journal, mais dans les médias. Donc, pour cette année, malheureusement, il n'y aura pas de pont de glace pour la circulation automobile. Les gens nous demandent pourquoi. Bien, c'est un peu la réalité de la neige qui est tombée d'un coup assez important, de façon assez imposante aussi. Donc, le lac n'a pas eu le temps de geler suffisamment. Puis, il y a eu un couvert de neige qui est venu isoler le lac, de sorte que l'épaisseur de glace n'est pas suffisante pour permettre des véhicules de traverser. Par contre, on a eu une entente aujourd'hui avec la ville de la municipalité de Saint-Just-du-Lac. Donc, on va faire un tracé pour les marcheurs. Donc, il va y avoir une possibilité de traverser le lac. Donc, on va faire un entretien balisé avec motoneige. Donc, on ne parle pas d'un tracteur souffleur. Là. On va être sécuritaire. On va montrer l'exemple, bien évidemment. Mais on va avoir un sentier pour les randonnées pédestres. On sait que pour notre coin de pays, c'est une particularité intéressante. Là, notre pont de glace, il n'y en a plus vraiment beaucoup au Québec. Donc, on va entretenir le pont de glace prochainement. Évidemment, on va mettre une signalisation. Évidemment, il va y avoir une signalisation avec des balises. Il y aura peut-être des gens qui seront tentés de façon téméraire de se lancer en automobile. On invite évidemment à la prudence. Là, c'est vraiment uniquement pour les marcheurs que le lac va être ouvert là, pour la traversée du lac. Donc, c'était les points d'information que j'avais à transmettre pour la rencontre d'aujourd'hui. On poursuit avec les comptes du mois. Donc, comme à l'habitude, la présentation a été faite aux membres du conseil. Les gens, on a répondu à l'ensemble des questions, donc différents comptes. Sur quoi on attire l'attention ce mois-ci, Pascal, pour les comptes plus importants qui nécessitent peut-être une présentation? Oui, bien en fait, il y a deux montants. Il y en a un de 37 840, que c'est un roto-sleeve, une pièce mécanique essentielle à l'usine d'épuration de Notre-Dame-du-Lac. Puis, il y a un montant de 17 895, qui est un montant qu'on a payé à la Corpo Avantage, mais c'est des frais qui avaient été encourus dans l'été 2022. Et non, quelque chose qu'on paye encore. Ça va. Oui. Donc, les comptes au montant, là, pour les nouveaux qui sont en présence ce soir, là, votre ville a dépensé tout près d'un million de dollars pour le mois en cours. Donc, 364 122 et 54 de comptes déjà payés. Et 756 330 et 38 pour des comptes à payer. Donc, pour le mois en cours, donc tout près. Plus qu'un million de dollars, là. Tout près qu'un million point un. On poursuit ensuite. Je trouve ma page. Dépôt du rapport du service de sécurité des incendies de Témiscouata-sur-le-Lac pour l'année 2022. Donc, on a reçu là, de la part de notre directeur du service des incendies, M. Gérald Dubé, le rapport pour l'année. Sans faire une présentation exhaustive, vous dire que, somme toute, cette année, là, on est gros, il n'y a pas eu une année vraiment particulière en termes d'augmentation importante au niveau des appels. On a eu 121 sorties au total pour cette année, principalement des alarmes au nombre de 22. On a eu 26 accidents, donc on sait que nos premiers répondants sur les zones d'accidents vont être appelés à se déplacer. Feu de cheminée, 4. On s'entraide aussi entre municipalités. Donc, dans le cas de l'entraide, là, on est allé à la municipalité de Dégely, Saint-Eusèbe, Saint-Louis-du-Haha et Squatec pour environ une quinzaine de sorties là, de nos équipes. Il faut savoir aussi qu'on a de l'aide de d'autres municipalités quand nous autres aussi, on est dans le besoin. Pour les feux de bâtiments, on a eu 11 incendies. Des interventions pour sauvetage nautique, 5. Donc, tantôt, on parlait de la prévention sur le lac. Donc, on a eu quand même 5 sauvetages nautiques. Donc, prudence, évidemment, sur les cours d'eau. 4 incendies de véhicules
puis quelques interventions là, mineures, des odeurs de fumée, des fuites de propane ou des problèmes avec des fils électriques qui chauffent. Donc, grosso modo, c'est sensiblement le nombre d'interventions annuellement. On parle en 2021, on avait fait 107 sorties et en 2020, 114. Donc, cette année, 121 sorties. C'est un petit peu plus, mais c'est quand même tout près là, de la moyenne qu'on fait annuellement au niveau des sorties, au niveau de notre service d'incendie. J'en profite, comme je le fais à chaque année, quand c'est le rapport. Évidemment, notre équipe de pompiers, totalement dévouée à la tâche, une tâche très, très importante dans nos municipalités. C'est pas des pompiers qui sont payés à temps plein. C'est pas des intervenants non plus qui ont des gros, gros salaires, mais qui font un travail extrêmement important pour la vie des gens. Donc, j'invite les dames, les hommes, les jeunes, les moins jeunes, qui auraient le goût de s'investir. On est toujours à la recherche de pompiers volontaires. Donc, on offre, même si on n'a pas des gros salaires, on a une équipe absolument exceptionnelle, très dévouée, plusieurs formations en intervention. On parle d'intervention au niveau nautique, on parle d'intervention aussi en hauteur, en forêt. Donc, on a plusieurs formations qu'on peut offrir. Donc, s'il y a des jeunes intéressés, encore une fois, là, vous pouvez téléphoner à la ville. On est toujours en recrutement au niveau de nos pompiers, puis on n'en a jamais assez. Puis, on a une brigade aussi, quelques pompiers là, qui sont tout près de la retraite, si ce n'est qu'ils prennent la retraite bientôt. Donc, on a besoin d'hommes et de femmes qui ont le goût là, de servir pour leur population. Au niveau du secteur des incendies, on a aussi le dépôt et l'adoption du rapport tableau de bord de gestion schéma de couverture de risque en sécurité d'incendie pour l'année 2022, donc qui a été proposé et appuyé, résolu unanimement, évidemment, qu'on adopte le rapport annuel 2022 en sécurité des incendies en lien avec la présentation que je viens de vous faire. Donc, on y va avec nos projets de résolution. Donc, ici, on a Société canadienne de la Croix-Rouge, donc amendement de l'entente de service aux sinistrés, prolongation avril 2023 à mars 2024. Donc, la municipalité, puis je pense que c'est pas mal, chacune des municipalités ont des contributions à faire au niveau de la Croix-Rouge. Donc, on parlait tantôt de sinistres. Donc, quand il y a des sinistres, on sait que la Croix-Rouge est appelée en renfort pour supporter, offrir aide et assistance aux sinistrés. Donc, je vous lis la résolution, parce que je veux m'assurer que ça soit bien présenté. Donc, attendu que la Croix-Rouge souhaite apporter un amendement de prolongation à l'entente concernant les services aux sinistrés lors de situations d'urgence, afin de reconduire l'entente d'une durée de 12 mois, soit du mois d'avril 2023 au mois de mars 2024. Attendu également qu'un ajustement aux modalités financières de l'entente sera apporté concernant la contribution de 17 sous par habitant, laquelle sera établie pour la prochaine année à 20 sous. Ceci afin de permettre à la Croix-Rouge de contribuer à développer et à maintenir son réseau bénévole et ses partenariats disponibles à intervenir lors de sinistres. Attendu que les villes doivent prendre des mesures pour assurer la protection des personnes et des biens contre les sinistres, conformément à plusieurs textes législatifs, notamment la loi sur la sécurité civile ainsi que la loi sur la cité et ville. Attendu que la Croix-Rouge est un organisme humanitaire sans but lucratif, possédant des ressources et de l'expertise susceptibles d'aider et de supporter à titre d'auxiliaire des pouvoirs publics les municipalités lors d'un sinistre mineur ou majeur, et ce, selon les disponibilités de ses ressources humaines et matérielles. Donc, attendu que cette entente est en concordance avec le plan de mesures d'urgence afin d'assurer certains services aux sinistrés, il sera proposé, appuyé et résolu unanimement que le Conseil de ville de Témiscouata-sur-le-Lac prolonge l'entente de service aux sinistrés avec la Société canadienne de la Croix-Rouge du mois d'avril 2023 au mois de mars 2024 et autorise le paiement de la contribution modifiée rattachée à ce service, soit de 20 sous par habitant, afin de contribuer au financement du maintien de la ressource de la Croix-Rouge pour secourir aux besoins des sinistrés de la municipalité. Et que Denis Blais, en son absence, le maire suppléant, et Mme Chantal Karine Caron, en son absence, la directrice des finances, soient par les présentes autorisées à signer l'entente comme telle au nom de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac. Donc, évidemment, comme je le mentionnais tout à l'heure, la Croix-Rouge qui est appelée quand on a un sinistre à venir supporter là, nos personnes dans le besoin. Donc, il y a toujours une contribution de la ville. Donc, on vient de faire des modifications. J'en profite aussi pour mentionner particulièrement nos organismes communautaires que d'ici le 21 février, donc la Croix-Rouge, entre autres, avec Fondation communautaire du Canada, Centraide,
on est en période de fonds de relance de services communautaires, donc de demandes de subventions qui peuvent être transmises par l'entremise, là, justement, de différents programmes. On parle de plusieurs milliers de dollars là, qui sont offerts là-dedans. Donc, on parle principalement des projets là, qui ont pour but là, de relancer les organismes qui ont eu des situations difficiles avec la COVID. Donc, pour plus d'informations, là, je vous invite à prendre l'information, là, communiquer avec la ville. Je laisserai peut-être à la ville la documentation. Là, on pourra transmettre s'il y a des organismes. Octroi d'un contrat pour l'installation de l'Internet d'Escro.ca à l'Arena Cascade et au Centre récréatif, donc en conformité au règlement contractuel numéro 225-18. Donc, cette résolution-là a pour but là, de faire l'installation du réseau Internet dans nos deux nouvelles infrastructures qui sont l'Arena Cascade et le Centre récréatif PGR, au montant de 39 590 $ sans su. Donc, aurait été proposé, appuyé et résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac octroie un contrat à la compagnie Desro.ca pour l'installation de services Internet dans l'Arena Cascade et le Centre récréatif PGR au montant de 39 590 $ sans su, suite à une entente verbale du 20 juillet 2022, laquelle fut révisée selon le besoin. Juste mentionner que quand on parle de 39 000, ça, c'est dans notre entente de 21 millions. Là. C'est pas c'est du supplémentaire, c'est dans le projet. C'est pas quelque chose qui est ajouté, là, c'était prévu déjà au projet. Toujours très important de le mentionner. Octroi de contrat d'assurance de dommages pour l'année 2023. Donc, la Ville a renouvelé ses assurances. Je vous invite, les oreilles sensibles, à porter attention. Vous allez voir que les factures d'assurance au niveau individuel, on sait que c'est des secteurs qui ont tendance à augmenter. Vous allez voir que votre ville paye des assurances pour plusieurs centaines de milliers de dollars, donc pour différentes assurances. Donc, considérant que la ville fait partie, avec d'autres villes, d'une entente de regroupement en lien avec l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, pour l'acquisition d'une police d'assurance de dommages avec possibilité de fonds de garantie. Attendu que l'appel d'offres lancé par l'UMQ pour le regroupement Bas-Saint-Laurent-Gaspésie pour un terme le 31 décembre 2021 au 31 décembre 2022. Attendu que suite au dernier appel d'offres réalisé à l'automne 2020, le renouvellement s'est effectué de gré à gré pour les blocs A, B et C. Attendu que dans le cadre des appels d'offres considérant les hausses de primes potentielles et afin de mettre à profit l'intérêt de la compétition avec le plus de soumissionnaires possible, les assurances de dommages ont été réparties en trois blocs. Donc, le bloc A, qui est les biens, les bris aux équipements et les délits. Le bloc B, c'est tout ce qui est la responsabilité. Donc, si une personne se blesse, poursuit la ville, donc on a une assurance responsabilité. Et C, c'est plus qu'on est propriétaire, donc les automobiles, les différents... Les équipements qu'on a, là, les camions, nos grattes, etc. Donc, considérant que la recommandation du consultant Fidema Groupe Conseil a l'effet d'accepter les conditions de la firme BFL pour le bloc B, de Beneva pour le bloc A et C, représentant l'ensemble des couvertures d'assurance et dommages demandées puisqu'elles s'avèrent avantageuses, il a été proposé, appuyé et résolu unanimement que le conseil municipal octroie le contrat d'assurance de dommages de la ville pour la période du 1er janvier 23 au 31 décembre 2023 à BFL pour le bloc B et à Beneva pour le bloc A et C. Les montants, donc, de verser la prime de la ville soit de 84 577,48 $ pour BFL et de verser les primes de la ville soit de 269 116,64 $ incluant les taxes au mandataire de l'assureur Beneva Assurance et de verser la somme de 7 300 $ constituant la quote-part de la ville au fonds de garantie de responsabilité civile ainsi qu'une somme de 16 610 $ constituant la quote-part de la ville au fonds de garantie et d'autoriser de le maire suppléant Chantal Karen à la signature des présentants. Donc, c'est beaucoup de chiffres. Donc, grosso modo, au réel, ça nous coûte à la ville de Témiscouata-sur-le-Lac un montant de tout près de 377 000 $ annuellement.
Quand on a fait la prévision budgétaire, on avait prévu évidemment une hausse importante, donc on avait planifié un prix qui était supérieur à ça, donc on a eu un prix en dessous de nos évaluations. Donc au budget, présentement, là, on sauverait tout près de 19 000 $ là, avec le contrat d'assurance qu'on a là, donc en fonction des prévisions qu'on avait faites. Donc évidemment, c'est beaucoup d'argent, mais vous savez qu'on est dans une société de droit et aussitôt qu'il y a quelque chose, bien, les gens se prévalent de leurs droits et ça se transfère souvent par des poursuites puis que les assureurs sont pris en cause. Donc, ça fait partie de la réalité d'aujourd'hui. Vous savez aussi qu'on est présentement en révision de notre plan d'urbanisme, donc un mandat de service professionnel à la boîte d'urbanisme pour soutien au service d'urbanisme de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac. Donc, attendu que la ville de Témiscouata doit effectuer la refonte complète de l'uniformisation des règlements d'urbanisme de chacun de ces deux quartiers. Donc ça, c'est un énorme dossier qu'on traîne depuis beaucoup trop longtemps. Donc on sait qu'on est une ville fusionnée depuis... 12 ans? 2010, 13e année. Mm-hmm. On a encore des règlements de deux municipalités, ce qui est un non-sens. Donc, on travaille très fort avec l'équipe d'urbanisme pour régler cette situation-là, mais on a demandé de l'aide de la boîte d'urbanisme. Donc, attendu qu'il y a lieu de mandater une firme afin de soutenir la ville dans l'exécution de cette tâche, attendu que la firme, la boîte d'urbanisme, a déposé une offre de service afin de compléter ce mandat en date du 30 janvier 2023. Il a été proposé, appuyé et résolu unanimement que le conseil de ville de Témiscouata-sur-le-Lac mandate la firme La Boîte d'urbanisme pour effectuer ce mandat, et ce pour un montant maximal de 9 520 $ taxes en sus, conformément à son offre datée du 30 janvier, donc mandatée Denis Blais. En son absence, le maire suppléant Chantal et la directrice des finances a signé les dossiers en lien avec cette résolution. Évidemment, je le mentionnais, le dossier de l'urbanisme, c'est un immense dossier. Donc, on a eu une période de consultation. Que les gens ont complété des questionnaires. On est en train de finaliser la mise en place là, des résultats de tout ça, les valeurs au niveau là, de notre plan d'urbanisme. Et évidemment, ça va se terminer avec la révision et la mise en commun de l'ensemble des règlements qui concernent les deux municipalités pour ne faire qu'un règlement en bout de ligne. L'objectif est de terminer le tout pour la période estivale 2023. Donc, on est en travail présentement là-dessus. Il y a des échéanciers qui sont fixés. Donc, dans le courant de la prochaine année, là, c'est un des gros dossiers qu'on devrait régler. Et je devrais dire avec fierté, parce que comme je le mentionnais tantôt, ça fait beaucoup trop longtemps qu'on les tire. Puis à un moment donné, ben faut, comme on dit, faut mettre le point sur la table puis dire, ben là, faut le régler parce que ça fait. Ben, j'ai pas mis le point sur la table, là, je vais pas faire peur au monde, mais prendre les moyens pour trouver là, des solutions parce que ça s'est tiré en longueur. Il ne faut pas faire peur à personne, le maire n'a pas le point sur la table. On n'a pas peur. Faut pas dire ça. Je me rétracte dans mes paroles. Octroi d'une aide à des établissements privés non résidentiels, donc loi sur les compétences municipales année 2023, motel Cabaneau-Relais. Donc, à la ville de Témiscouata-sur-le-Lac, on a un petit programme d'aide aux nouvelles entreprises qui viennent s'installer chez nous. Donc, dans les situations où ce que les gens vont être dans des immeubles locatifs, donc trouvent une business, mais sont en location, on a un montant de 1 500 $ qui est octroyé. Et quand les gens font l'acquisition d'une business, d'un commerce, donc vraiment qui sont propriétaires, il y a l'octroi d'une aide financière de 2 500 $. Donc, dans le cas qui nous concerne, c'est le motel Cabaneau-Relais, qui est anciennement, si je ne me trompe pas, le motel Le Beaulieu, si je ne me trompe pas, sur le boulevard Fil-la-Tulipe, qui a été vendu. Je vois des points d'interrogation, mais je suis pas mal sûr de mon coup que c'est ça. Donc les gens, les nouveaux propriétaires, donc le support financier de 2 500 ici qui a été proposé, appuyé et résolu unanimement que la ville de Témiscouata-sur-Lac verse une aide financière de 2 500 $ à l'entreprise motel Cabaneau-Relais. Donc ça, c'est il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins, c'est standard. C'est 1 500 pour quand on est en location, puis 2 500 quand c'est l'achat d'une entreprise. Prochaine résolution, octroi d'une aide conformément au règlement numéro 179-16 concernant la création d'un programme de crédit de taxe au bénéfice de certaines entreprises. Dans le cas qui nous concerne, DG2 Industrie, donc DG2 Industrie qui se sont installés dans le parc industriel du quartier Notre-Dame en 2020, ont bénéficié là, d'une aide financière dans le cadre du numéro là, de règlement 179-16 qui leur donnerait certains avantages là, au niveau là, du crédit
crédit de taxe pour une période de 5 ans. Donc, dans le cas qui nous concerne pour cette année, on parle d'un montant de 4 593,74 $ qui est accordé à DG2 Industrie pour le présent exercice financier 2023. Et on l'a vérifié, donc on est dans la quatrième année de 5 pour ce support financier-là. Donc, ça a été proposé, appuyé, résolu unanimement. Peut-être une petite mention, Chantal, là-dessus, sur justement, on est justement en train de réfléchir à remettre à niveau ce programme d'aide-là. Donc, au cours des prochaines semaines, c'est un dossier aussi là, qu'on aura à vous présenter, là, les dénouements puis les nouvelles orientations qu'on veut mettre en place. Ordonnance vente pour non-paiement de taxes. Donc, je vous fais la lecture. Donc, ça, c'est un dossier que je vous ferai un petit topo par la suite. C'est un dossier qui n'est pas toujours plaisant, mais je vais vous donner quelques précisions. Donc, considérant que le Conseil a pris connaissance de la liste des immeubles à l'égard desquels les taxes sont impayées, considérant que le Conseil a identifié les immeubles qui devront faire l'objet de la procédure de vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes suivant les articles 511 et suivant la loi sur les cités et villes, considérant que le Conseil doit fixer la date et l'endroit prévu pour cette vente aux enchères, il était proposé, résolu et appuyé unanimement que le Conseil de ville de Témiscouata-sur-le-Lac ordonne à la greffière, conformément à l'article 512 de la loi sur la cité civile, de procéder à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales à l'enchère publique le mercredi 17 mai 2023 à 19h, et ça à la salle du Conseil située au 861 rue Commerciale Nord, Témiscouata-sur-le-Lac, à Québec. Les immeubles devant être vendus à l'enchère portent les matricules suivants au rôle d'évaluation foncière. Le F0083-14-94-41, soit le 959 et le 959A rue Commerciale Nord. Le F0180-21-44-27 du 89 rue 232 Ouest. Le F0183-03-67-38 du 39 rue Vieux Chemin. Le F0183-34-0040 du 800 à 800 J rue du Centre. Le F0183-34-1461 sur la rue du Centre. Le F0775, le F0775-56-5424 du 2432 rue Commerciale Sud. Et finalement, le F0183-30-2744 du 81 rue Vieux Chemin. Bon. Et évidemment, proposé, résolu, appuyé unanimement. Donc, au niveau de cette résolution-là, quelques informations très importantes. D'abord, vous dire qu'il y a une procédure qui est établie à la ville de Témiscouata-sur-le-Lac pour les comptes de taxes qui sont impayés. Donc, chaque citoyen, quand les délais, peut-être vous êtes des nouveaux citoyens qui auront des comptes de taxes à payer, quand on dépasse, c'est régulièrement, des fois on oublie, des fois on attend un revenu supplémentaire pour payer notre compte de taxes, il y a automatiquement des rappels qui sont faits à chacun des citoyens. Et dans le temps, quand ça perdure, bien, il y a diverses interventions qui sont faites. Il y a des avis écrits qui sont envoyés. Il y a des téléphones aux parents. Je me croirais dans mon autre travail. Il y a des téléphones qui sont faits à nos citoyens pour les aviser. Et en tout temps, la Ville essaie de mettre des choses en place pour on essaie d'avancer avec le citoyen. Donc, on comprend qu'il peut avoir des pertes d'emploi, on comprend qu'il peut avoir de la maladie, on comprend qu'il peut avoir des situations qui ne sont pas évidentes. Dans chacune des étapes du processus, la Ville se veut proactive et dans le mandat que le Conseil et moi, quand je rencontre Chantal, je veux à toutes les fois que nos gens soient traités avec empathie. On ne connaît pas la réalité des gens, puis il faut faire face avec ça. Mais à travers le processus, à un moment donné, il arrive une situation où ce que des sommes s'accumulent et à un moment donné, on est à court de solutions et malheureusement, on doit en arriver à ce qu'on est là aujourd'hui, à une vente aux enchères. C'est pas une fin en soi. Ça veut pas dire que le 17 mai, 7 mai, ça veut pas dire que le 17 mai, l'ensemble de ces immeubles-là vont être à vendre parce que on est toujours en travail avec les personnes concernées pour essayer de régler les situations.
Donc, les propriétaires de ces maisons-là, là, il y a plein de bons numéros, là, mais c'est tous des individus qui vivent des situations particulières. La ville, on est là pour essayer de trouver des solutions avec eux autres, mais il faut qu'on s'en aille vers une descente des factures, des comptes qui sont en souffrance. Donc, je veux juste le manifester. Quand on est rendu là, on est vraiment rendu à plusieurs étapes du processus qui ont été mis en place, et j'invite les gens concernés, s'il y a des situations où vous voulez rencontrer la ville, je pense que Chantal, Marlène, aux finances, on est toujours disponibles pour essayer de régler cette situation-là. Évidemment, on ne veut pas se rendre jusqu'à une vente aux enchères, mais il faut savoir aussi, quand il y a une vente aux enchères, là, la ville ne prend pas la somme d'argent que la maison est vendue. On se paye, puis après ça, il y a tout un aspect légal là, qui est mis en compte. Là. Donc, l'argent ne fait pas de l'argent au détriment de personnes qui seraient mal pris. Donc, il y a des règles à respecter dans tout ça. Donc, je trouve important de le mentionner. Si les gens veulent en savoir plus, encore une fois, à la ville, on peut répondre aux questions. Là. Je ne sais pas, Chantal, si tu voulais peut-être ajouter quelque chose, je vois dans tes yeux que oui. Je rajouterais peut-être que s'il y a des gens qui vivent des situations particulières, il y a des ententes qui peuvent être faites. Et à ce moment-là, on s'entend pour dire que ça va peut-être être un petit peu plus long à faire le paiement, mais on s'ajuste en fonction, justement, qu'il y a une perte d'emploi ou peu importe. Fait que ces ententes-là, ils sont possibles. Quand on est rendu vraiment à des ventes, bien, il faut comprendre qu'il y a comme 7 étapes, 7 avis différents qui ont été faits avant d'en arriver à ce qu'on dit aujourd'hui. Fait que c'est un peu pour aller dans le sens de Denis, c'est qu'il y a plein d'étapes, il y a plein de possibilités. Puis s'il y en a qui vivent des choses particulièrement difficiles, bien, c'est tout simplement de nous contacter. Et à ce moment-là, on fait des ententes particulières pour les fins des paiements des taxes. Mais comme ça, ça permet de régulariser à l'intérieur d'un an ou d'un année et demi la problématique, puis tout le monde est heureux. Tu sais, souvent de fois, on a des questions. Bon, on peut-tu annuler un certain nombre de taxes? J'ai eu des difficultés, la COVID et tout ça. Légalement, il y a une impossibilité absolue. Là. Il n'y a aucune taxe qui peut être enlevée, que ce soit les intérêts, c'est la même chose. Par contre, au niveau des ententes, je pense qu'on a une belle latitude. On est capable d'être compréhensible, mais il faut sentir toujours qu'on est en avançant et que les dettes s'en vont en diminuant. Donc, c'est jamais quelque chose de plaisant, mais quand on est rendu là, je voulais mentionner qu'il y a d'autres étapes qui ont été travaillées là, depuis plusieurs semaines par rapport à chacun des dossiers présentés ce soir. Entente de partenariat avec Carrefour Jeunesse Emploi de Témiscouata, Fonds Jeunesse et Place aux Jeunes en région Témiscouata pour le 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025. Donc, ce soir, on a remis des belles bourses, mais ça, c'est dans le cadre d'un projet d'entente avec Carrefour Jeunesse Emploi. Et aujourd'hui, ça donne bien parce qu'on veut justement renouveler cette entente-là avec grand plaisir avec l'organisme Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, comme je le mentionnais tantôt, l'objectif de la mission de l'organisme, prévenir et freiner l'exode des jeunes vers les grands centres, donc on veut les garder chez nous, favoriser et promouvoir l'engagement social des jeunes en région, promouvoir et faciliter l'intégration professionnelle des jeunes en région, sensibiliser les jeunes, leur entourage et les acteurs locaux aux impacts de l'exode, stimuler la création d'entreprises en région, donc qu'aujourd'hui, donc il sera proposé, résolu et unanimement adopté que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac s'engage à contribuer au Fonds Jeunesse Témiscouata ainsi qu'aux 2 séjours exploratoires selon les modalités de l'entente de partenariat à conclure avec le Carrefour Jeunesse Emploi, et ce, pour la période de 3 ans, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025. Et évidemment, par la présente, on autorise le maire suppléant en son absence, Chantal, la directrice des finances, à signer les ententes, à intervenir entre les parties. Donc, comme je le mentionnais, ça donne bien. Ce soir, on a eu des beaux récipiendaires de bourse, puis on est très heureux. Donc, on renouvelle notre entente encore pour 3 ans. Donc, si vous avez des amis, je vous les invite, invitez-les à venir chez nous. On a un beau milieu où fait bon vivre. Puis en plus, bon, on les supporte un petit peu financièrement quand ils s'installent chez nous. Demande de reconnaissance de la ville de Témiscouata pour municipalité amie des enfants. Donc, Témiscouata-sur-le-Lac, on est impliqué, on a une politique familiale qui est en place, qui est en révision présentement. On a aussi participé à ce qu'on appelle les municipalités amies des aînés, donc plan d'action au niveau familial, puis on avait été apparu aussi la municipalité amie des enfants. Donc, on a eu une discussion ici au conseil, mais on dit, bien, les enfants, ça fait partie de la famille, les aînés, ça fait aussi partie de la famille. Donc, dans notre politique familiale, on va essayer d'inclure l'ensemble des citoyens, donc autant les enfants, les aînés que pour notre politique familiale.
Donc, attendu que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac prépare actuellement la mise en place de sa politique familiale ainsi que son programme de municipalité Amis des aînés, que souhaite mettre en place des actions concrètes favorisant la qualité de vie des enfants sur son territoire, travaille de concert avec les organismes et les intervenants du milieu afin de soutenir des initiatives et des espaces permettant le développement des enfants, vise à recevoir la reconnaissance de municipalité Amis des enfants décernée par l'organisme Espace Muni pour des actions structurantes qu'elle met en place afin de promouvoir la jeunesse. Donc, il a été proposé, appuyé, résolu unanimement que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac s'engage à faire les démarches nécessaires à l'obtention de l'accréditation municipalité Amis des enfants décernée par l'organisation Espace Uni et qu'on autorise le maire suppléant, Chantal ou la directrice des finances à signer les documents pour donner plein effet à cette résolution. Et cette résolution entérine la demande déposée par la ville en date du 5 décembre 2022. Donc, on est en démarche présentement par rapport à ce sujet-là. Ici, on a un dossier de servitude, donc cession d'un droit d'usage aliénable, empiètement d'une structure sur le 759 rue Commerciale Nord. Donc, c'est un bâtiment situé juste en face du parc Clair-Soleil. Il y avait une dérogation qui avait été accordée en 2007 pour la mise en place d'une galerie qui avait un empiètement sur le terrain de la ville, donc le trottoir. Donc, présentement, on sait qu'il y a un projet qui se travaille et dans le but de régulariser tout ça, donc il y a une servitude là, qu'on veut régulariser. Par contre, on va régulariser, on va permettre le maintien de cette structure-là uniquement pour la mise en place d'un projet qui pourrait être en lien avec une microbrasserie, un bar ou un restaurant. Pourquoi? Parce que c'est une terrasse extérieure, donc en avant du parc Clair-Soleil, façade au lac. Ça peut être intéressant, si j'ouvre un commerce là, de ce type-là, d'avoir une belle terrasse. Par contre, pour tout autre projet autre que microbrasserie, bar et restaurant, la terrasse devra être démantelée. Donc, dans l'acte qui va être notarié, donc on va aussi spécifier qu'aucun accessoire qui peut être installé sur le trottoir sans une entente particulière avec la ville, comme c'est le cas avec nos autres commerçants de la rue commerciale ici dans le quartier Cabaneau. Évidemment, l'interdiction de stationner en dessous de ces structures-là en période hivernale, ça va de soi. C'est un terrain public. C'est pas des carports pour les voitures. Donc, proposé et appuyé, résolu unanimement là, qu'on mette ça, ce droit-là là, au niveau là, du 759 rue Commerciale Nord. C'est beau? Des fois, je ne les lis pas toutes, c'est moins lourd. Des fois, une explication, parce que là, j'aurais pu vous en lire une page et demie, mais là, j'ai déjà des yeux qui commencent à s'affaiblir. Fait que des fois, je fais un résumé de la résolution. C'est pour vous garder actif. Vente de terrain, Mme Nadia Albert et M. Claude Côté, donc le lot 6,489,961, l'emprise du chemin du lac, une modification. Donc ça, c'est une résolution qu'on avait prise il y a quelques séances. Par contre, le terrain qu'on vendait à Mme Albert et M. Côté, il y avait une conduite d'eau qui était située sur ce terrain-là et on a des règles à respecter au niveau là, du dégagement de cette conduite-là, ce qui fait en sorte que le terrain qu'on a vendu à l'époque était trop grand. Donc aujourd'hui, c'est une modification de la grandeur du terrain au niveau du 528 chemin du lac. Et évidemment, bien, comme on vend moins de terrain, le prix de vente va baisser en conséquence. Donc le prix de vente était fixé à 2,6 du pied carré. Donc le montant total, on parle d'un terrain d'une superficie de 3,857,79 pieds carrés. Donc, à 2,6, ça fait un montant total de vente de 7,947,04 payable à la signature de l'acte et les frais de notaire sont à la charge de l'acquéreur. Et on autorise M. Blais, maire suppléant en son absence, la directrice générale ou la directrice des finances à signer les documents pour donner plein effet à cette résolution et que cette résolution annule et remplace la résolution du 22-01-13.
Demande de dérogation mineure, propriété sise au 115 rue Caldwell, donc le lot 6 385 299 pour M. Maxime Beaulieu. Donc, M. Maxime Beaulieu a fait une demande de dérogation mineure pour sa propriété située au 115 rue Caldwell, qui a été déposée le 24 novembre 2022. Cette demande vise à permettre l'implantation d'un abri d'auto en cours avant, à 4 mètres de la ligne avant, alors qu'il est stipulé à l'article 10.3.4 du règlement de zonage 167-89 que le bâtiment accessoire doit être localisé à une distance minimale de 9 mètres de l'emprise de la voie publique, soit une dérogation mineure de 5 mètres. Cette demande avait pour but aussi d'autoriser l'implantation d'un abri d'auto isolé de la résidence alors qu'il est stipulé à l'article 5.3.5 du même règlement que le bâtiment accessoire doit être lié au bâtiment principal sur une distance d'au moins 3 mètres. La résidence a été construite sur un terrain en pente et que la cour avant dispose principalement d'un sol plat, attendu que le bâtiment accessoire est dégagé de la partie de la cour avant faisant face au bâtiment principal, attendu que l'habitation est localisée dans une zone agroforestière et que des normes supplémentaires applicables à l'usage d'accessoires pour des usages autres que pour un usage résidentiel en zone EFA sont décrites à l'article 5.34. Attendu qu'étant donné que l'abri d'auto est en forme rectangulaire, et ouvert sur tous les côtés, les membres du CCU, donc le Comité consultatif d'urbanisme, suggèrent qu'il peut disposer d'au maximum un seul mur afin d'éviter que l'abri ne vienne un garage isolé. Attendu que cette demande ne porte pas atteinte aux droits de propriété des voisins et n'a pas à l'encontre du plan d'urbanisme, les frais de la demande ont été acquittés. Donc, il a été proposé, résolu et appuyé et résolu unanimement. Donc, il y a une spécificité importante avec ce que je viens de lire, que le Conseil de ville entérine la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de dérogation mineure de M. Maxime Beaulieu, et ce, conditionnellement à ce qu'aucune fondation et aucun mur ne soit posé, doit demeurer au sol, et l'abri doit rester ouvert sur les quatre côtés. Donc, on parle d'aucun mur, sans quoi la dérogation mineure devient non valide. Dans le cas où un mur serait érigé, le conseil se réserve le droit de faire démolir l'abri. Donc, ce qui est autorisé, c'est oui, un abri d'auto, mais aucun mur et aucune fondation ne sera acceptée, même s'il y a une recommandation du CCU en ce sens. Oui, puis il y avait un petit paragraphe là, que j'ai enlevé également, où on le touchait, là, il ne devrait pas être là. OK. On va l'ajuster. Parfait. On a une dérogation sise au 1 rue des Mélèzes, le lot 6 324 278 pour M. Frédéric Ouellette. Dans le cas là, de cette dérogation-là, on parle d'une piscine creusée en cours avant à 25,30 mètres de la rue des Mélèzes et à 24,08 mètres de la rue de la Seigneurie, alors qu'il est stipulé à l'article 3.1.5.4 qu'une piscine doit être localisée en cours latérale et arrière. Le bâtiment principal est à 26,5 mètres de la rue des Mélèzes et à 29,4 mètres de la rue de la Seigneurie, soit une dérogation mineure de 1,2 mètres et de 5,32 mètres. Il y a un bâtiment accessoire isolé en cours avant, directement devant la façade de la résidence, alors qu'il est stipulé à l'article 5.3.22 que le bâtiment accessoire doit être dégagé de la partie de la cour avant, faisant face au bâtiment principal. De ce bâtiment à 1,2 mètres de la résidence, alors qu'il est stipulé à l'article 5.3.2 qu'un bâtiment accessoire doit être localisé à un minimum de 3 mètres du bâtiment principal, soit une dérogation mineure de 1,8 mètres. Le terrain situé à l'intersection des rues des Mélèzes et de la Seigneurie dispose donc de deux cours avant. Donc, souvent, quand on est cette réalité-là, c'est un coin de rue, c'est une intersection. Attendu que la résidence est éloignée à plus de 20 mètres de la rue des Mélèzes et de la rue de la Seigneurie, attendu que le niveau du terrain est plus élevé par rapport à ces rues, attendu que le futur bâtiment accessoire sera localisé en cours avant à plus de 9 mètres de ligne de la rue, attendu que la piscine creusée sera située à plus de 20 mètres de la ligne de la rue et que l'espace est restreint en cours latéral pour implanter celle-ci, attendu que le terrassement du terrain est déjà complété en cours arrière, attendu que cette demande ne porte pas atteinte aux droits de propriété des voisins et n'a pas fait à l'encontre du plan d'urbanisme. Les frais ont été acquittés, donc il sera recommandé par le comité consultatif. Donc, proposé, appuyé, résolu unanimement que le conseil municipal entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de dérogation mineure de M. Frédéric Ouellette, et ce, conditionnellement à ce que la piscine creusée soit dissimulée dans les cours avant,
par une clôture décorative opaque ou une haie de cèdre. Donc, si M. Frédéric Ouellet veut savoir plus de détails sur qu'est-ce qu'est une clôture opaque, il pourra communiquer avec la Ville. On lui dira qu'est-ce qu'est une clôture opaque et une haie de cèdre. Je pense que c'est assez clair. Résolution d'appui, l'Office d'habitation du Témiscouata, projet de transformation de logement. Donc ça, c'est un dossier qu'on est très heureux. On sait qu'au Témiscouata, la pénurie de logements crie un peu partout au Québec. Puis on a déjà présenté ici même en séance, j'ai déjà fait un topo là-dessus, de dire, bien, c'est particulier, on a des logements disponibles dans nos offices d'habitation, mais qui ne répondent pas nécessairement aux besoins de la population, ce qui fait qu'on les laisse libres. Présentement, l'Office d'habitation du Témiscouata a un projet, possède déjà 16 logements de type studio, dont seulement 4 sont occupés. Ces logements n'étant pas en demande, le projet de l'Office d'habitation du Témiscouata consiste donc à transformer 2 logements de type studio en un seul logement de 3 pièces et demie, pour les 12 logements inoccupés. De cette façon, l'Office pourra loger plus de locataires en fournissant des logements qui font en sorte qu'ils répondent à la demande par les requérants. Donc, attendu que l'Office croit que les 6 logements résultant de cette transformation seraient loués plutôt que de posséder 12 inoccupés. De cette façon, il y aurait une augmentation au niveau des revenus de location, ce qui impacterait sur le déficit et ultimement sur la contribution municipale. Donc, vous comprendrez qu'il a été proposé, appuyé et résolu plus qu'unanimement que le conseil municipal de Témiscouata-sur-le-Lac appuie l'Office d'habitation du Témiscouata dans ses démarches auprès de la Société d'habitation du Québec afin de transformer des logements de type studio en logements adéquats 3,5 afin de répondre à la plus forte demande de location pour ce genre de logement. Évidemment, on est extrêmement content d'appuyer ce projet-là parce qu'on va être en mesure d'offrir de beaux 3,5, 6 que j'en comprends, pour nos familles qui en ont besoin, alors que présentement, on a des logements inoccupés. Et des logements inoccupés, il faut savoir que la Ville paye 10 % des déficits de l'Office d'habitation du Témiscouata. Donc, vous comprendrez que si on baisse les déficits parce qu'on loue des logements qui sont en demande, bien, ça se peut que la Ville paye un petit peu moins cher les déficits en espérant qu'il n'y en ait plus. Donc, c'est certain que quand on dit on appuie unanimement, on insiste sur l'unanimement parce que c'est vraiment un très beau projet qu'on espère qu'il va se réaliser le plus rapidement possible. Déclaration d'adhésion à la Charte du bois du Bas-Saint-Laurent. Donc, ici, je vais vous en faire la lecture parce qu'il y a des éléments importants. Donc, on reste dans une région où la foresterie est très importante. Donc, considérant que la forêt est intrinsèquement liée à la culture et à l'identité régionale, que le bois est omniprésent et qu'il est source de fierté, de richesse, d'emplois stimulants et de développement sur tout le territoire du Bas-Saint-Laurent. Considérant que le bois est un outil majeur de lutte au changement climatique et que lorsqu'il est utilisé comme matériaux dans les constructions pour remplacer d'autres matériaux tels que le béton ou l'acier ou l'énergie ou des énergies fossiles biomasse forestière, les émissions de CO2 découlant de ceux-ci sont évitées. Considérant que le matériau bois permet un développement durable des communautés et qu'il est un produit écologique par excellence, performant, à la fois souple, léger, résistant et esthétique, augmentant le confort des usagers, constituant une option durable et rentable. Considérant que près de 22,2 millions de mètres cubes de bois sont récoltés annuellement sur le territoire public et privé, et que les activités d'aménagement génèrent près de 4700 emplois. Considérant que la région dénombre 27 établissements de transformation primaire du bois, usines de sciage, de pâte et papier, carton, panneaux et autres produits, générant près de 2000 emplois et un chiffre d'affaires de plus de 1,1 milliard de dollars, assurant le maintien et le développement économique de la majorité des communautés bas-laurentiennes. Considérant que l'industrie de la deuxième et de la troisième transformation du bois, portes et fenêtres, armoires, chevrons, palettes, bâtiments préfabriqués, etc., compte plus de 80 usines représentant au-delà de 2200 emplois pour un chiffre d'affaires approximatif de 300 millions de dollars. Considérant que la région du Bas-Saint-Laurent est un modèle en matière de l'utilisation du bois et veut devenir un leader et une vitrine de l'utilisation accrue du bois, particulièrement pour des travaux de construction ou la rénovation résidentielle, institutionnelle et commerciale, et comme matériau de substitution aux énergies fossiles ou autres produits, exemple isolants ou fertilisants biologiques et autres, pour ainsi stimuler et favoriser une utilisation des produits régionaux
économie circulaire, considérant que les 101 municipalités, paroisses et villages des 13 villes et les 8 municipalités régionales de comté de la MRC de la région du Bas-Saint-Laurent sont d'importants donneurs d'ouvrages pour la réalisation de travaux de construction ou de rénovation d'immeubles, d'infrastructures écrotoustiques ou de remplacement de systèmes énergétiques, sera proposé, appuyé et résolu unanimement que la ville de Témiscouata adhère à la Charte du bois du Saint-Laurent, du Bas-Saint-Laurent, une volonté commune de favoriser la mise en œuvre d'initiatives quant à l'utilisation accrue du bois dans la construction, la rénovation de bâtiments et comme énergie de substitution aux énergies fossiles, et une volonté commune d'évaluer l'étape d'avant-projet, la possibilité d'une utilisation accrue du bois dans la construction, la rénovation des bâtiments, d'infrastructures écrotoustiques et comme énergie de substitution aux énergies fossiles. Donc, c'était notre dernière résolution de la soirée. On n'avait pas de présentation de M. Morin ce soir. Non. On avait donné congé. Marlène non plus. Donc, ça mettrait un fin à l'ensemble des points qu'on avait à discuter. On n'a pas de questions sur notre page Facebook. On invite les gens à... courriel. Courriel. L'adresse, Madame la directrice générale? Question séance à commercial.témiscouata-sur-le-lac.ca. Parfait. Donc, on a des gens en présence ce soir, les nouveaux arrivants. On a un monsieur qui est là. Mais est-ce qu'il y avait une question? Je vous invite à aller au micro, oui, s'il vous plaît, monsieur. On en a une sur le... Tu m'avais dit qu'il y en avait une. Vous avez... Juste vous présenter, monsieur. Patrice Boucher. Oui, monsieur Boucher. Vous avez contracté un emprunt de 10 millions de dollars. Vous affectez quoi avec ça? De quoi on parle, là? C'est dernière fois? La dernière fois, au mois de janvier, oui, oui. Il y avait une bonne partie, c'était des renouvellements d'anciennes dettes qui sont échues au bout de 5 ans. Là, j'ai pas tout le détail là, pour tout vous les répéter, mais au pire, je pourrais prendre votre numéro puis vous les redire, là. Je pensais que ça pouvait être affecté, je sais pas, de l'asphalte ou des gros travaux, là. C'est surtout des renouvellements de... Oui, mais ça vise plusieurs projets différents. C'est qu'on les a tous mis ensemble. Puis il y a aussi un montant qui est également pour l'ARENA puis le CCR. Mais là, je n'ai pas vraiment le document pour vous donner l'info, mais je pourrais vous la donner ultérieurement. OK, c'est au mois de janvier que ça a été... c'est un règlement qui a passé au mois de janvier. Oui, c'est un renouvellement, c'était ça, 10 millions quelque chose. Un renouvellement, OK. Oui. Parfait, merci. Ça va, M. Boucher, fait plaisir. Oui. On a une question sur notre page Facebook, sur notre adresse courriel? Marie-France me dit que non. Non? Il n'y avait pas une, tu me disais qu'elle avait été envoyée après-midi, non? C'était pour la qualité du son. Ah, c'était juste ça. OK. C'est quelqu'un qui disait que le son n'était pas bon. OK. On a fait des vérifications pour le son. Il semblerait que nos systèmes, notre personne à ma TV nous dit que le son était très bon. Là. Des fois, ça peut être la diffusion là où que le résident est particulièrement, mais ce qu'on a comme information. C'est un problème peut-être d'Internet. Ça fonctionne bien. La personne qui a son iPad ou son appareil. Pas d'autres questions? Pas d'autres questions? Monsieur Boucher a posé sa question. Nos derniers courageux qui sont restés avec nous jusqu'à la fin dans nos boursières. Bravo. Merci d'avoir resté, d'avoir tenu le fort jusqu'à la fin, démontrer de l'intérêt pour votre municipalité. On espère vous revoir. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. On l'a souvent dit ce soir à la Ville. Vous téléphonez à la Ville, on peut vous répondre à vos questions avec plaisir. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va procéder à la levée de l'Assemblée proposée par... Dumont, appuyé. Mayanne sur Paradis. Le duo d'enfer pour la fermeture des réunions. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. On se revoit au mois de mars. Merci beaucoup. Bonne soirée.